Salut tout le monde, c'est Amsty. Aujourd'hui on se trouve sur Airport Tycoon. Voilà, ça fait super plaisir. Donc ça c'est un jeu où on doit construire son propre aéroport. En fait, si je me trompe pas, c'est bien ça. Voilà quoi. Et donc, on va faire play, c'est parti. On est aussi avec IM au passage, il a 12 millions. Wow, il est déjà millionnaire IM. Ouais bon, let's go, on va faire play, c'est parti. Et on est où? Update 4, plus boat, ok. Apparemment il y a des nouveaux trucs, il y a la marina expansion. Ok, en gros il y a des expansions et tout. Oh, c'est ultra géant en fait, mais wow. Donc, ok, là j'ai quoi? Là je dois, ouais, start working, c'est parti. On va commencer de travailler, ouais, voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit? Salut ici, qu'est-ce que je peux vous faire pour aujourd'hui? Je suis juste en train de regarder. Est-ce que tu peux me dire une blague d'aéroport? Vas-y. Oui, bien sûr. Est-ce que tu connais les avions invisibles qui ne sont jamais devenus un truc? Je ne sais pas. La réponse est non, parce que je ne les ai jamais vus se faire enlever. Alors, bon, j'ai pas trop bien compris, là, sur le coup. Voilà, quoi. Donc, là, on peut, bah, récolter de l'argent. Ok. Une valise, ça donne combien? Ouais. Ça me donne beaucoup, un peu. Ouais. Ça me donne énormément. Donc, c'est parti. Nous, on va prendre ça. On achète quoi, maintenant? Bug dropper. Ah oui, dropper, ça me dit un truc. Ah, ouais, vas-y. On va faire un bug dropper. C'est quoi un dropper? C'est des femmes, en fait, qui fabriquent des sacs. Très intéressant. Ah mais c'est pour de vrai, c'est bien fait, il y a une petite animation et tout. Vas-y, let's go, on va prendre ça, on va déjà payer. Bah, l'upgrader, vas-y, l'upgrader. Ah, l'upgrader, en fait, ça améliore. Genre, le prix, je pense qu'il est plus haut. Ah ouais, mais c'est super intéressant, en fait, ce jeu. Ok, là, on peut aussi rajouter de la vitesse. Ce qui est vraiment très, très intéressant pour toi, ouais. On rajoute de la vitesse. Oh, vas-y, on va prendre la vitesse, c'est parti. On peut rajouter encore plus de la vitesse, mais quoi? Mais ça va devenir un avion de chasse à la fin. Vas-y, on prend toujours l'argent. Donc, ouais, j'ai déjà regardé ça. Là, il y a quoi? Touche to activate, auto-collect. Ah, ok. Là, c'est un game pass. Ok, je vois. D'accord, d'accord. Puis, parking lot. Vas-y. Ah, ok, c'est un parking. On a un parking pour avion, si je me trompe pas. Ou hélicoptère, je ne sais pas. Extend parking lot. Ah, on peut l'étendre encore plus. D'accord. In front wall. Ça, c'est un mur, apparemment. Vas-y, let's go, on va construire le mur. Oh, c'est stylé. J'aime bien ce jeu. Ça me donne envie. D'ailleurs, au passage, les gars, il y a aussi des codes. Ouais, j'avais oublié qu'il y avait des codes parce qu'on peut le voir grâce à ce petit oiseau, là. Twitter. On peut mettre des codes ici. Voilà, voilà. Par exemple, il y a aussi Blue Wall. Let's go, je vais vous l'écrire. Blue Wall, en gros, ça veut dire baleine bleue. Donc, on fait redeem. Et ça nous donne 40 000 cash. Ah, d'accord. Mais quoi? 40 000. C'est incroyable. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop abusé. Vous savez quoi? On va aussi faire les autres codes. C'est parti. Il y a Ship. Cheap, ça veut dire genre pas cher si je me trompe pas. Cheap, ça nous donne 10 000. Ah d'accord, mais 10 000 c'est quand même cher. Voilà quoi, on reçoit 10 000. Après il y a quoi d'autre? Il y a Fireball. On met Fireball, on fait redeem et 30 000 cash. Je pense que c'est des codes qui donnent environ 30 000 de cash, 20 000 cash, voilà quoi. Après il y a encore Sushi. Voilà, on va mettre Sushi, bon je sais pas pourquoi Sushi, mais bon d'accord. On va mettre Sushi, on reçoit 20 000. Il y a Airport aussi, ce qui veut dire aéroport. Let's go, le code n'existe plus malheureusement. Il y a Mobile aussi, let's go, on va faire redeem. Ok, on a reçu 15 000 cash. Après, il y a quoi d'autre? 10 000, c'est parti. Ok, let's go. Et on reçoit 15 000 cash encore une fois. On va faire boat, c'est, ça veut dire bateau en anglais. Et on reçoit 20 000 cash. Ça, c'est super plaisir. Mais on a déjà 150 000 cash. Mais regardez-moi ça, mais c'est incroyable. Waouh. Au passage, il y a aussi S3LK Runs. En gros, c'est le Crons. Je sais pas trop ce que ça veut dire quoi. Ok, on va faire redeem, c'est parti. Et on reçoit 25 000 cash encore une fois. Et finalement, il y a Free Boula. Ouais, de la Boulaga quoi. Ok, bon bah du coup on a de la Free Boulaga. D'accord, super, on a de la Boulaga gratuite. Ça c'est super plaisir. Ouais, je vais prendre ça. Donc let's go, donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un but dropper 15 000, j'en rêve pas. Il y avait marqué 15 000. Ouais, mais c'est super cher. On va faire le speed, c'est parti. Le wall, on va le faire après, voilà. On va faire but dropper, deuxième upgrader, vas-y, let's go. Bench, ça c'est le décor et tout. Le décor et tout, on va le faire après les gars. Vas-y, on va prendre ça. Et le right wall, bon vas-y, on va prendre un peu de petits trucs. Le truc qui coûte pas cher quoi. Le bench, d'accord. Left wall aussi, ça fait plaisir. Bon ok les gars, ok on va faire wall dropper, tous les wall droppers là. C'est bon, let's go. Oh, mais pourquoi il y a des trucs qui ont apparu? Il y a des écrans qui ont apparu, d'accord. On a bu des wall droppers, mais c'était pour des écrans finalement. D'accord, oh c'est super stylé. Oh, on a quelque chose avec des lasers. On peut passer à travers bien sûr. Donc ok, extend parking lot. Bon vas-y, on va extendre ça. Parking decoration, c'est le seul truc qu'on peut faire, vas-y. Donc ça c'est quoi? Parking sidewalk. Oh wow, super stylé. Et de l'autre côté je pense qu'il aura la même chose aussi. Vas-y on y va. Ouais, parking sidewalk, c'est bon, j'aime bien. Nice. Donc but entre en signe, c'est un signe d'entrée. D'accord, en gros il y a des gens qui peuvent rentrer. Décoration aussi, waouh, super beau. Vas-y on va aussi payer
payer ça. Ah, mais il fallait payer ça en fait pour pouvoir faire des security cameras et des scanners. C'est vrai? Oh, mais je savais même pas qu'il y avait ça. Flour. Oh, mais mais ça continue encore. Ah, d'accord. Mais c'est ultra chaud en fait. Bon, vous savez quoi? On va acheter plutôt les trucs qui servent déjà en premier. Bah, en fait, déjà rien qui sert. Il y a que de la décoration. Bon, on va faire ça. Bon, on va faire ça aussi. Vas-y, owner door, explant. Ah oui, mais ça coûte ultra cher. On va le faire de préférence après. On va déjà payer le truc. Pas ultra cher. Ok, il y a des bancs, sidewall. C'est bon. On va encore payer des chaises. Voilà. Lounge access, c'est quoi ça? Lounge. Wow. Je sais pas ce que c'est que le lounge. Mais bon, d'accord. En tout cas, ça a l'air d'être un bon petit truc. Oh, food counter. Oh. Oh, sérieux? On peut prendre ça? Wouah. Mais sérieux, on peut prendre des trucs et tout? On peut prendre un avion. Ah, c'est une magazine d'avion. D'accord. Oh, il y a des sushis. Wow. C'est quoi ça? D'où les sushis sont grands comme ça? Je comprends pas. C'est un même ce truc. Ok, là on a aussi des muffins. D'accord, bon, les muffins ils ont une taille normale. Allez, du coup on va acheter des escaliers. Ouais, c'est bien des escaliers, c'est pas une échelle. On est d'accord. D'ailleurs, bon, les escaliers ça ne mène à nulle part pour l'instant. D'accord, d'accord. Une télévision. Ah, il y a une télé, on peut l'allumer ou pas? Ah, si, on peut l'allumer. Waouh, wow, c'est trop stylé. Ah, il y a une musique et tout. Ah, d'accord. Ouf. Alors, en fait, il est que ouf ou. Ah non, il y a aussi des trucs différents. Ouais, d'accord. En gros, c'est ma maison ce truc. Expand plot, on achète? Ouais, vas-y, let's go, on va acheter. Donc, parking ground, walkway. Oh, parking ground, ça me fait penser à quelque chose. On va acheter des trucs ici déjà, vu que ça coûte que 2000. Ouais, parce que 20 000 et tout, c'est ultra abusé. Donc, lounge chairs, d'accord. Left wall, ouais, bah oui, bien sûr, il faut des murs. Lounge roof aussi. Ok. Oh, j'ai acheté la lumière en même temps, d'accord. Ici des plantes. Voilà, ça fait plaisir. Ah, ok. Le deuxième floor, je peux l'acheter. D'accord. On va essayer de mettre la lumière. On va déjà reprendre l'argent parce que là, on a pas beaucoup. 65 000. Vas-y, let's go. On les prend. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, barrage conveyeur. Oh, bah super, il y a d'autres conveyeurs aussi. Ok, dropper, dropper, vas-y. Oh, mais ça coûte ultra cher hein, maintenant. Ah, mais ça apparaît nulle part en fait. D'accord, je vois. Super. Ok, là aussi, on peut acheter un conveyeur. Burger dropper. Je rêve où il y a marqué burger. En gros, ça va créer des burgers de nulle part. D'accord. Oh, super, hein. Super, super. Ok, les gars. Donc, on est de retour. Ça fait plaisir pour de vrai. Et donc, bah voilà. Il a aussi IAM avec nous. Bah voilà, il est revenu. Donc, il nous demande de faire un truc. De faire E-Dance. Ok, je vais faire E-Dance. Ouais, let's go. D'ailleurs, j'ai récolté 435 000. Ça fait super plaisir. Du coup, let's go. On va les prendre. C'est parti. Oh, super. Et là, il nous demande de faire E-Dance ici. Ah ouais, ça récupère rapidement. Ouais, c'est vrai. Mais bon, d'accord. C'est un tout petit glitch. Ça fait plaisir. Genre, c'est pour qu'on les récupère rapidement. En gros, on peut rester ici pour les récupérer. D'accord, d'accord. Ouais, merci à toi, Yem. Ah oui, on va déjà aller en haut là pour gagner encore plus de cash, bien sûr. Parce que là, on n'a pas tout fait. C'est... Ah oui, Burger Dropper. Ah oui, je m'en souviens de ça. Bon, let's go, on achète ça. C'est parti. Ça vous donne plein. Oh non. J'ai aussi acheté quelque chose. Je pense que c'est l'upgrader. Ouais. Ah. On aura de produire des burgers rapidement. D'accord. Donc, ça, c'est quoi? Compteur. Ça compte? Oh, ah d'accord, ah c'est super. Let's go, on va aussi acheter le cuilleur. Oh, on peut aussi acheter un chef. Oh mon dieu, on peut acheter des humains dans ce jeu. C'est quoi ça? On peut pas prendre des frites. Ah non, mais en fait il les fait tout seul. Ouah, c'est trop stylé. Waouh, il est en train de faire un burger. Oh, c'est trop stylé. Ah oui, d'accord. C'est super stylé ça. D'accord. Oh wesh, c'est quoi ça? Oh mon dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait un avion de chasse du futur qui était échoué sur mon île et après il est tombé dans l'eau. C'était ultra bizarre ça. What? Ouais, vas-y, on va acheter le parking ground. Oh, c'est quoi ça? Buis, Apron Markings, Taxiway. C'est quoi ça? Oh, c'est ça! C'est ça les avions 400 000. Quoi, sérieux? Ça coûte ultra cher? Ah, Starter Plane. On achète le Starter Plane? Bah ouais, vas-y, deux secondes. Vas-y. On achète le Starter Plane. Du coup. Oh! Oh mon dieu! Mais il est magnifique! Mais il est toute beauté! Oh, c'est super beau. Mais on peut que monter un dedans. Ah voici, il me pontait. Il y a ses ailes qui dépassent. D'accord. Oh, okay. On croit à l'équiper là ici. Et on peut taxing. Appuyer sur E pour le démarrer. Wow. Oh, c'est trop stylé. Wow. Oh, je suis trop content. Ok, en gros c'est W pour aller en haut. Et S pour ralentir en fait. Ouais. D'ailleurs, on peut aller comme ça aussi. D'accord. Oh mais c'est super. What? On a la vitesse maximale. Ok, donc c'est parti. On va essayer d'aller ici. Ouais, mais c'est un volcan. Mais quoi? On va se cracher dans le volcan.
Ah non, ça fait pas de dégâts. J'ai l'impression que ça fait pas de dégâts. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un cargo. Ah, tu as un cargo? Ah, d'accord. Oh, c'est super intéressant. Et est-ce qu'on meurt en fait? J'ai envie de voir. J'ai mort dans la lave. C'est super drôle. Ok, les gars, on arrive sur son île. Ça fait plaisir. Let's go. Allez. Ok. Non, 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 j'ai trop de vitesse. Oh non, il doit tomber dans l'eau. Il est tombé dans l'eau. T'as vu, il est tombé dans l'eau. Viens. Ah, d'accord, j'arrive. Waouh. Oh, c'est trop beau. Oh, t'as un bateau. Waouh. Oh, c'est trop stylé. Hold the way to start engine. Ah, bah non, du coup, c'est Z. Vu que, voilà, le clavier, il y a une différence. Ah, Plan Island. Waouh. C'est ça le cargo alors. Ah, ouais. Oh, regardez-moi cette taille. Oh, il y a un avion là-bas aussi. Waouh. Waouh. Non. J'ai failli rester coincé dans l'avion. What? Il y a un avion si géant que ça? Waouh! Mais c'est incroyable! Ah ouais, en gros, c'est ça le cargo en fait. Le cargo il spawn ici. Ouais, mais c'est super beau! Super stylé! Est-ce qu'on peut rentrer dedans ou je meurs quand je rentre dedans? Je vais essayer. J'ai cru que j'allais mourir. Ah non, c'est bon, on peut rentrer. Super. Je peux pas le conduire non plus logiquement. Waouh, il a écrit quoi? Tu peux, t'as vu, tu peux. Je peux quoi? Ah, rentrer dedans. Quoi? Quoi? Je peux le conduire? Non, non, non. Qu'est-ce qui vient de se passer? What? What? Qu'est-ce qui vient de se passer? L'avion, il a glissé et on est tombé. Mais non, mais sérieux. What? Qu'est-ce que c'est que ce bint? Il pleut dans l'eau. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je peux même plus remonter. Mais what? Vous savez quoi, on va plutôt essayer d'acheter le bateau pour Dora parce qu'il est nouveau en plus, si je me trompe pas. Par contre, j'ai pas combien il coûte. Ouais, là, finalement, je viens de regarder sur YouTube, mais le bateau il coûte 5 millions. Bon, je pense pas qu'on va le faire dans cette vidéo parce que 5 millions c'est ultra incroyable. Même 400 000 aussi, c'est beaucoup hein, pour Dora. Donc, let's go. Il me manque 3 000, sérieux. Let's go. 3, 2, 1, go. Yes, je l'ai acheté. Oh, il est trop beau. What? Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Il est endommagé? Quoi? Mais il est tout neuf, comment ça se fait? Je comprends pas. Comment ça se fait qu'il s'est déjà endommagé? Bon, vous savez quoi? On va l'essayer, c'est parti. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on peut avoir beaucoup de passagers. Ah ouais, on peut avoir beaucoup de passagers avec nous en fait, en arrière. D'accord, bon, let's go. On va activer ça, c'est parti. Et on commence. Yes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Pourquoi il se passe tout le temps ça? Je comprends pas. Le crash d'avion au début. Ah, c'est bon. Vous avez quoi? On va essayer de le faire spawn. Let's go. Voilà dedans. D'ailleurs, je me demande pourquoi ma main dépasse l'avion. C'est très bizarre, mais bon. D'accord. Let's go. Let's go. On va l'allumer. Et j'espère vraiment que ça va pas tomber. Mais qu'est-ce qu'il a tombé à la fin? 12 seconds later. Donc c'est parti. Je suis censé le démarrer et il devrait monter. Ou soit je dois. Ok. Peut-être qu'en fait il me fallait une place un peu plus grande pour genre le démarrer. Non? Ah oui, c'était ça en fait. Je pouvais pas le démarrer directement avec une place vraiment très courte. Ah mais pour de vrai, cet avion il va à 170. Quoi? 180 de speed. Oui, il est deux fois plus rapide que l'autre. Qu'est-ce qui se passe à bord? C'est très intéressant. Là, je vais décélérer. Oh non. Mais non, mais pourquoi ça crache? Non, arrête. Bon, bah, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher la action de like si c'est le cas. Vous abonner et activer la cloche des notifications. Ça fait super plaisir. Merci à tous ceux qui le font. Voilà. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde et peace.